ne suis pas ton bonbon. Non, 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 non. Ton bonbon. Je ne suis pas ton bonbon. Vidéo dans laquelle on était avec Blanche Bailey. Je ne suis pas ton bonbon. C'est pas mal ça. Voilà, donc dans cette nouvelle vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, vous savez exactement de quoi est-ce que nous allons parler. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, pensez à vous abonner ici. Sans plus attendre, nous rentrons dans le vif du sujet. Dans cette vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, nous allons parler exceptionnellement du début à la fin de ceci. Donc oui, mes amours, si jamais vous avez des lèvres qui ont une drôle de couleur, hein, qui ne sont pas roses, qui ne sont pas jolies, qui ne sont pas belles, appliquez dessus. Donc, le but, c'est d'exfolier ça avec une brossade, hein, comme vous pouvez le voir là. Vous faites ça pendant 2 à 3 minutes, le temps d'enlever toutes les peaux mortes, toutes les cellules sèches, tout ça. Comme vous pouvez le voir, une fois que c'est fait, vous laissez poser quelques minutes. Une fois que c'est fait, rincez abondamment votre bouche avec de l'eau un petit peu tiède. Normalement, vous aurez des lèvres roses pour une longue tenue. L'inconvénient avec ceci, c'est que vous devez quasiment le faire tous les 2-3 jours. Sinon, ça ne reste pas rose. Par contre, la deuxième méthode que je vous propose, je vous avais déjà parlé de ça dans une autre vidéo. C'est tout simplement une espèce de produit peeling. Pour les lèvres, comme vous pouvez le voir, Romantic Bee, ça se vend partout, un petit peu partout, dans les magasins chinois, sur Internet, sur Amazon. Vous voyez, vous appliquez ça comme ça. Pour des lèvres roses, roses, roses foncées, vous pouvez laisser plus longtemps. Mais moi, je mets juste une minute sur mes lèvres et hop, j'enlève le truc comme vous voyez là. Je vous assure, mes amours, le résultat est tout aussi immédiat. Sauf qu'à la différence de la pâte dentifrice, le résultat avec ceci dure toute la journée. Je peux même dire que ça peut durer 2-3 jours. Franchement, c'est exceptionnel ce truc. Donc, vous allez voir. Et le truc, c'est que vous pouvez embrasser, vous pouvez vous laver les dents, vous pouvez vous laver la bouche, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Le produit ne bouge pas. C'est tout simplement magnifique. Donc, voilà. Bien sûr, je vais vous mettre le produit ici. Je vous mets un lien si vous voulez vous en procurer. La recette se passe en deux étapes principales, mais pas obligatoires. Si vous avez des lèvres très foncées, prenez d'abord le citron comme celui-ci, pressez-le de cette façon et exfoliez vos lèvres. Mais en douceur, laissez poser la solution pendant quelques minutes. Vous rincez vos lèvres à l'eau tiède. Une fois que c'est fait, nous aurons besoin de deux autres ingrédients, du miel et de l'huile de coco comme vous pouvez le voir. Cette deuxième étape est très très populaire, donc vous pouvez sauter la première étape si vos lèvres sont déjà naturellement un petit peu roses, si le travail à faire n'est pas très important. Mélangez une cuillère de chaque comme vous voyez là, prenez une brosse très très douce, de préférence une brosse à dents pour enfants, et commencez le processus d'exfoliation. Une fois que c'est bon, rincez simplement à l'eau tiède, limite chaude. Une fois que c'est bon, appliquez votre baume à lèvres. Faites ceci tous les 2 jours jusqu'à obtention du résultat souhaité. Donc, je vous ai parlé de beaucoup de trucs. Donc, si jamais les deux méthodes que je viens de vous présenter ne vous intéressent pas, alors cliquez dans les vidéos en dessous pour voir mes autres vidéos là-dessus. Donc, voilà, je vous remercie. Appliquez dessus. Voilà le résultat. Ce n'est pas de la magie. Voyez, tout de suite, bing, c'est résolu. Bien sûr, si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas, mettez dans les commentaires. Donc, voilà, mes amours, je vous dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous et sachez que je vous porte dans mon cœur.